Michel, tu es là pour nous présenter une nouveauté très attendue. Non, c'est vrai? A priori, hein, ça fait quelques années qu'on l'attend. Je crois. Avec ce PA5X. Alors, j'allais te demander qu'est-ce qui avait changé, mais tu vas me répondre tout. De moi, tu parles? Un petit peu, la barbe, plus vieux aussi, mais bon. Ah, tu parles. Est-ce qu'on voit la différence? Tu me parles du PA5X, ouais, peut-être? Ouais. Ah oui. D'une nouveauté, quoi. Parce d'une nouveauté, ouais. C'est plus une nouveauté, c'est vrai. Bah, beaucoup de choses. Alors, c'est vrai, on reste toujours sur un aspect arrangeur, hein, quoique on retrouve toujours les variations, les breaks. Bon, voilà, bon, c'est un petit peu plus coloré par rapport au 4X. Un écran beaucoup plus large, où on a une meilleure qualité d'image aussi sur l'écran. Plus visuel, ouais, tout à fait. Ouais. Un écran en plus que je retrouve aujourd'hui qui me permet d'avoir un petit peu sur les correspondances de chaque curseur, je vais pouvoir savoir un petit peu ce qui est travaillé. Les pads, les 16 pads qui vont me permettre un petit peu d'être un petit peu plus dans le monde du synthétiseur. Et bon, allez. Et les sons, tout a été remanié. Ils sont repartis en fin de compte d'une feuille blanche. Et bon, voilà, qui permet de repartir sur des nouvelles bases. Les styles. Deux lecteurs ? Alors, deux lecteurs de style, oui. Alors, deux lecteurs, bon, ça, on l'avait déjà sur un PA4X, sauf que là, c'est un lecteur qui va me permettre de lire deux styles en même temps. C'est ça, qui est une vraie nouveauté dans le monde de l'arrangeur. Entre autres, voilà. Là, deux styles où je peux avoir un style à MP3, où je peux avoir un MIDI file et ainsi. Voilà, je peux vraiment manipuler ça, et grâce, bien sûr, à ce petit fader qui va me permettre automatiquement de passer d'un à l'autre ou de pouvoir générer, en fin de compte, les deux sources absolument, en même temps. Simultané, ouais, bien sûr. En simultané, ça, c'est vraiment magique. C'est très simple. Autre grain de nouveauté, c'est le cas de le dire, le toucher, puisqu'on a trois versions maintenant. Voilà, il y a un 61 qui est juste derrière moi, le 76 qui est devant moi, où on a vraiment le même toucher, et il y a un 88 notes clavier lourd qui arrive aussi en même temps. Et donc ça va permettre aussi aux personnes faisant ou ayant fait du piano, voulant refaire du piano, d'avoir ce toucher de piano. Qui est vraiment chouette en plus. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. On va s'attarder un peu sur les sons, si t'es d'accord. Oui. Donc là, ça a été entièrement revu. Voilà, en fin de compte, ils sont partis souvent les sonorités qu'on demande au départ, c'est le piano électrique, les sons de violon, voilà, tout ce qu'on peut retrouver, en fin de compte, sur les arrangements. Là, ils se sont dit, on va aller ouvrir la porte d'à côté, où on a tous les synthés, chez Korg, donc l'autre famille, et on va apprendre un petit peu ce qu'il y a. Donc, les sons de piano, les pianos électriques viennent du Nautilus. Le Chronos, le Nautilus, le SV2, pas peur des mots. On peut parler, c'est Korg. Et c'est vrai que le Nautilus, est une très grosse référence dans le monde du synthé, comme le Chronos, et le SV2, qui est vraiment le clavier qu'on voit un petit peu partout sur toutes les scènes. Et là, encore une fois, ils se sont dit, on va aller chercher les sons là-bas. Et donc, tout ce qui est sons de piano électrique, les violons, les orgues, les sons d'orgue ont été retravaillés. Sont vraiment très réussis. Oui, on les écoutait dans la démonstration juste avant. Et c'est vrai que les orgues sont vraiment très, très, très bien faits, avec, bien sûr, l'histoire des tirettes pour avoir récupéré un petit peu cette ambiance amont, entre autres. Et tout ce qui est classique aussi est très bien. Et voilà. Non, ils sont repartis pas de zéro, parce que, la base était déjà bonne. Mais ils ont voulu vraiment étoffer, en fin de compte, le panier de sons, parce qu'il fallait, je pense que toujours avoir un son de piano, de violon, d'orgue, tout ça, c'est très bien, mais on veut toujours avoir des petites choses en plus, des petites finitions, et c'est vrai que c'est les synthés souvent qui font ça, et donc on ne l'avait pas, et là maintenant on l'a sur le PA5X, et ça donne vraiment un univers beaucoup plus large, et c'est tant mieux. Avec un panel d'édition qui est quand même très important, le nombre d'effets est assez hallucinant. Oui. Quand on va dans le mixeur, etc., on a un nombre de possibilités qui est quand même assez sidérant. Les assignations, les affectations de son, les assignables, le pitch, le ruban, qui me permet vraiment de travailler. Ce qui se passe sur, on revient sur l'édition, c'était toujours un petit peu, on peut
penser que Korg a toujours ce côté un peu compliqué, c'est toujours un petit peu... Non. Là, ils ont vraiment... Ils sont encore une fois repartis sur de la simplicité. Ça veut dire que j'ai aujourd'hui un bouton qui s'appelle ici Record Edition, qui me permet d'avoir l'édition complète de tout le clavier. C'est-à-dire, on arrête avec ces histoires de mode. Oui. Ça, c'est fini. Voilà. Et effectivement, il y a une interface unifiée. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si je veux éditer, que ça soit un son, que ça soit un sample, que ça soit un enregistrement MP3, que ça soit un pad ou un style, ou ce que je veux, c'est sur la même page. Donc déjà... Bon, voilà, ça évite de passer dans des doubles pages et puis bon, faire toujours des sauts périlleux un peu et souvent un petit peu hasardeux. Là, tout est là. J'ai un bouton qui me permet tout de suite de me dire, bon, bah voilà, je veux éditer un son, j'appuie sur l'édition du son, je tombe sur moi, là, c'est un son de piano, je veux l'éditer, bah, je vais pouvoir l'éditer, bon, voilà, simplement, mais je suis déjà dedans. Je n'ai pas, en fin de compte, à prendre la notice et à pleurer pendant des heures, à me dire j'ai pas trouvé la bonne page et tout ça. Donc voilà, c'est une première chose. Après, ils ont voulu jouer aussi sur une simplicité. Alors, c'est vrai que l'écran qui se trouve sur le côté, bon, me permet enfin de savoir un petit peu sur quoi je travaille. C'est tout bête, mais bon, à un moment, je me suis dit, tiens, ce slider-là, c'est bien, mais il me sert à quoi? Là, c'est écrit en fin de compte en dessous, ça me permet en fin de compte de visualiser, donc de travailler beaucoup plus simplement en fin de compte le PA. Et c'est vrai que c'est bon, ça fait gagner du temps, et c'est pas plus mal. Tu nous montres quelques-uns de tes sons préférés? Oh, j'en ai plein, sons préférés, vous savez, quand on est démonstrateur, tous les sons sont les préférés. Ah, mais je sais que préférés. T'aimes tout le monde, toi, je sais. Moi, j'aime tout le monde. Non, mais c'est vrai que les sons... moi, ce qui me donne toujours... Alors, on est toujours, on va dire, le son du piano. Ce piano reste... on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de marques où ça sonne franchement très, très, très bien. Et c'est vrai que je le sais. Et c'est vrai que chez Korg, ils ne se sont pas embêtés. Ce qu'on disait au tout début, c'est qu'ils ont été chercher ça, où ça fait mal, entre autres le chrono, ce sont du piano, du chrono, ou du SV2. Reste seul. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui un son de piano qui est vraiment réaliste. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les nuances, côté un petit peu même sale du piano. Quelque chose de réel, même sur les violons. On prend l'exemple aussi sur les violons où je vais avoir, pareil, la même chose. Il ne faut pas oublier que sur le PA, sur un son, on peut avoir 24 échantillons. Absolument. Et donc, qui me donne à chaque fois toutes les nuances que je peux avoir. Je peux avoir, en fin de compte, si j'avais des vrais violonistes en face de moi, où je vais les faire travailler, et je vais leur dire moins fort, plus fort, et tout va se faire, en fin de compte, suivant, en fin de compte, ce que je vais jouer. Tout ça, c'est tout bête, mais tout ça, c'est ce que j'avais, entre autres, sur les synthés, sur un chrono, sur un Nautilus. Bon, on l'avait aussi sur un arrangeur, mais c'était un petit peu plus... c'était un peu plus mis de côté. Après, ce qui est magique, c'est, on en parle depuis le début, c'est que ce mot synthétiseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, en fin de compte, toutes ces sons très nappés, entre autres, hein, où je vais avoir tous ces sons que je n'avais pas, qui va me permettre un petit peu de donner vraiment un univers différent, de pouvoir avoir toutes ces ambiances que je ne pouvais pas avoir, que je pouvais avoir sur un synthé, mais pas sur un arrangeur. Là, Korg s'est dit, on va réunir ces deux mondes qui vont me permettre un petit peu, sur cette ambiance-là, bah, pourquoi pas rajouter un arrangement, et puis voilà. Et là, je vais m'ouvrir dans d'autres directions sonores, et c'est la force, entre autres, de ce PA5X. On l'a dit, on peut combiner plusieurs sons ensemble. Oui. Ici, on a les sections qui sont... Toujours pareil, on est toujours sur trois sonorités, avec une quatrième pour le lower, donc pour rajouter, entre autres, sur la main gauche. Ils ont intégré une touche, ici. Ensemble, qui me permet, entre autres, de pouvoir récupérer l'accord que je fais à mon arrangement, de pouvoir, en fin de compte, l'avoir sur une note. Alors, le jouer par accord... toujours un petit peu compliqué, entre autres pour les sons d'orgue ou les cuivres, en fin de compte, je n'ai plus qu'à plaquer mon accord et automatiquement l'accord va être répercuté sur ma note qui est jouée sur ma main droite. Et c'est là qu'on flirte de plus en plus avec l'intelligence artificielle, où l'instrument est capable d'aller comprendre l'intention du musicien pour proposer quelque chose qui est toujours cohérent et surtout qui est facile à exploiter, quoi. Bien sûr, c'est toujours un petit peu la demande. Quand on va chez Korg, que ce soit au Japon, en Allemagne ou n'importe où dans les bureaux d'études de chez Korg, la première question qu'ils nous posent, mais qu'est-ce que veut le musicien?
De toute façon, c'est comme ça. C'est un peu. C'est, et moi, depuis, il fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis chez Korg, et c'est vrai, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que veut le musicien? Alors, ils ne nous disent pas, c'est pas le fait d'en vendre plus, c'est qu'est-ce que recherche le musicien aujourd'hui? La simplicité, le son, bien sûr, avant tout, le son. Le plus simple à manipuler, ça a l'air qu'à un moment, rester 3h30 sur un son, ça aujourd'hui, je ne connais plus personne qui le fait. Et c'est vrai qu'il faut que ça arrive tout de suite, que ça soit prêt. Bon, aujourd'hui, quand on est. Je reviens sur ce son. De pouvoir se dire, ah ça c'est très bien, mais j'aimerais rajouter un piano, eh ben, je vais pouvoir l'ouvrir tout de suite, je cherche mon son de piano, je l'ouvre, il est là, je n'ai pas besoin de rester 3 heures, j'ai envie de rajouter des chœurs, j'en veux plus, je l'écoute. Ça se fait vraiment très, très, très simplement. Absolument. Et ça, c'est encore une fois l'avantage d'avoir ce mix synthé-arrangeur, parce que bon, c'est vrai que dans les synthés, on avait un petit peu cette correspondance, voilà, on pouvait rapidement bloquer et avancer un son. Un gros morceau avec les styles. Hein. Oui, gros bébé. Ouais, parce qu'on est enfin sorti du schéma de un style en simultané. On l'a dit dans la petite introduction, on peut utiliser deux styles en simultané. Là aussi, ça a été revu. Et... bon, d'une part, en termes de d'interface, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mm-hmm. Mais moi, ce que je note, c'est la grosseur du son, l'épaisseur du son, le côté très facile à manipuler du style. Parce que c'est vrai que c'est hyper accessible. Et moi, qui suis un musicien très médiocre, quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, la section séquence ici, qui permet d'aller chercher des séquences d'accords qui ont déjà été programmées, et ça, qu'on peut faire, effectivement. Et ça, c'est redoutable, ça marche de suite. Hein. Oui, oui. C'est extraordinaire. Oui, sur les styles, alors, il y a deux choses. Il y a déjà quelques styles qu'ils ont gardés. De la série PA. Bien sûr, heureusement. Bon, ils n'allaient pas repartir de zéro. Rappelons si nécessaire, tout ce qu'on a fait sur un PA antérieur, on peut le récupérer ici. Bien sûr, voilà. On peut le repasser. Que ce soit bien sûr, quelqu'un qui a un 4 pour mettre sa clé, pouvoir les recharger. Ça, c'est pas le. Il n'y a aucun souci. Maintenant, ils se sont dit, on va garder quelques styles, en fin de compte, garder, on va dire, allez, on va entrer dans les 50% de styles existants, mais ils les ont remaniés avec les nouveaux sons. Absolument. Donc, ils donnent automatiquement un petit peu plus de réalisme. Les sons et les effets. Réalisme. Sur les effets aussi, c'est très perceptible. Sur les effets aussi, il y a les inserts d'effets, plus d'inserts d'effets, qui fait que ça me donne encore une plus de liberté dans mon jeu. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est que un arrangeur, il y a toujours ce piège que ça soit trop démonstratif. On est sur des styles, on dit « Ah, oh, c'est super, mais bon, ils font tout, donc j'ai pas grand-chose à faire. » À un moment, c'est vrai que c'est un peu, bon, c'est un peu lassant. Là, c'est vraiment jouable. Les styles sont jouables et dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est pas une bossa pour faire avoir mis 50 000 instruments autour de ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc 50%, on va dire que c'est les styles qu'on avait depuis de bien longtemps, toutes les séries d'IPA. Et ils ont rajouté, en fin de compte, énormément de styles qui permet, en fin de compte, là, d'être un petit peu plus un peu dans le move. Voilà, d'aujourd'hui, il y a de nouveaux sons, voilà, qui font que, et donc on a à réincorporer. Que ça soit dans toutes les familles, que ça soit la famille pop, qui est une famille bon assez jouable parce que tout le monde joue de la pop, non standard, voilà. Sauf que quand ils se sont dit, on va rajouter une famille qui s'appelle classique pop. Alors ça c'est chouette. Ça c'est marrant, c'est très sympa. C'est très sympa parce que cette famille-là, en fin de compte, elle réunit beaucoup de styles, mais très typés. C'est-à-dire, si j'ai envie de jouer un Billie Jean de Michael Jackson, bah, j'ai le style. We'll be right back.
très 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 appréciable par rapport à d'autres marques, peu importe, c'est que au titre, on sait immédiatement à quoi on a affaire. Où on va aller, oui. Ouais. Bah, quand je fais Roxane, je vais savoir que mon Sting ne doit pas être très 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 loin. Voilà, ouais, d'arrangement. On n'est pas chez ACDC, il n'y a pas de problème. Voilà. Rosanna, bon, si on aime bien Toto, voilà, on va pas. Et donc, on en a. Voilà, ils en ont mis quelqu'un. Alors, ne pas oublier que là, ce sont des exemples qu'ils ont donnés. J'ai trois séries, mais je pourrais en ouvrir et oui, en ouvrir. Il y a une grosse mémoire disponible qui permet de rajouter dedans. Donc, ça, bon, cette série est vraiment plutôt. Cette famille est intéressante. Bien sûr, la famille Ballade, là où je vais avoir, donc, encore une fois, énormément de styles. Avec bien sûr des ambiances différentes, on l'aura vu sur les démos. Dance, c'est pareil, on va avoir encore tout ce qui est dance. Alors, quand on dit dance, ça peut être les années 70, 80, 90, 2000, il y a du disco. 2000, il y a du disco. Choses, voilà, il y a tout ce c'est qui très est. Très fourni, ouais. Voilà. Les ballrooms, alors bien sûr, là, c'est tout ce qui est plus traditionnel, les slow waltz, les passos, où je vais en avoir, tout ce qui est big band, tout ce qui est tango italien, ou même les tangos, les polkas, tout ce qui est les mazurkas, tout ça. Donc, tout est en fin de compte là, avec bien sûr tout ce qui est valse, musette, French valse, tout ça, on les retrouve dedans. Rock, c'est pareil. Là, le rock, là, ils se sont dit, on va élargir le plus possible. Comme les sons ont été retravaillés, entre autres pour les guitares déjà, donc on a des très, très, très gros sons, et ça, bon, la vidéo permettra de les écouter plus tard. Et donc, on en a énormément. Et encore une fois, le rock... C'est très flagrant, c'est ce que j'allais dire. C'est... Parce qu'on va vraiment chercher large, c'est-à-dire qu'on passe d'un Highway to Hell, donc ACDC, plutôt hard rock, machin, à des choses très soft, un rock piano, qui est le rock basique, avec un son de piano. À du fusion, à de la... Et ça, c'est très, très intéressant, parce qu'on a une grosse richesse. On peut aller sur Johnny B. Goode, on peut aller sur... Voilà, vous avez une palette très, très, très large, parce que le rock, c'est pas le rock des années 60, hein. Il y a eu quand même... Il y a eu Elton John, il y a tous les thèmes qui sont les plus larges. Le country, c'est pareil, sur le country. On se dit, ouais, mais c'est des rythmes qui sont très américains. Non, le country se joue de plus en plus, et ils ont mis aussi énormément de styles. Alors, quand je dis country, ça peut être une balade country. Ouais, donc, ça peut être une balade, mais qui est un peu dans un... Puis t'as tous les shuffles sont dedans. Tout ce qui est shuffle, voilà, on les a dedans. On va avoir, bien sûr, les latins. Là, on va avoir les bossa nova, le rythme peut-être le plus joué dans le monde. Et là, je vais en avoir, bien sûr, plusieurs. Encore une fois, on va ouvrir énormément, en fin de compte, de demandes et de couleurs sonores. Encore une fois, plus de sons dans cette machine fait automatiquement plus de possibilités sur les styles, parce que c'est ça ouvre ça. Latin dance, c'est pareil, on va voir tout ce qui est les reggae, tout ce les qui salsa. Est les salsa, bon voilà, machin. Les jazz, alors les jazz, il y en a aussi des tonnes. Alors encore une fois, on retrouve quelques styles qui étaient du PA4X, mais j'ai aussi les styles, les nouveaux styles avec des ambiances, mais vraiment incroyables, où je vais avoir des climats de clubs jazz très fermés, on sent presque la cigarette dans ces vieux clubs, voilà, et ça c'est sympa. Parce c'est ça qui manque, un petit support pour le verre de whisky là. Ouais, il faudrait qu'ils soient un petit peu moins penchés pour pas que le verre tombe. On fera une cala avec une impression 3D. Je demanderai, la prochaine fois je demanderai à Korg de nous faire un petit coin spécial pour le vert. Tout ce qui est funky, bien sûr, bon là on rentre dans la folie où je vais avoir tout ce qui est groove, voilà, dessus. Movie, ça aussi c'est un peu une demande qui est en fin de compte tirée sur toutes les musiques de film, on l'a vu sur la démonstration, une démonstration très, bon, musique, film, bon voilà, avec toutes les ambiances, et encore une fois j'ai énormément en fin de compte d'exemples qui sont donnés, et pour terminer j'ai le World qui est assez sympathique. Je vais te faire écouter deux titres que je n'ai pas fait à la démonstration, mais je pense qu'ils vont peut-être te plaire. Happy Birthday, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Allez, écoutons-le. On y va. On prend. Ça peut, je pense, servir. Chaque année, tu pourras mettre ce style-là. Et tu as un autre style qui est un peu pareil, mais dans une autre direction. Un petit mariage, peut-être? Avec une blague. Bien sûr. T'es déjà marié avec Korg, ouais, de toute façon. Ouais, je suis déjà marié avec Korg, ouais, c'est sûr. Et c'est le mariage entre le synthé et l'arrangeur. Ah oui, ils l'ont fait exprès, écoute. Donc voilà, il y a énormément de styles, et c'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir avoir une palette très, 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 très large. Alors bien sûr, ce sont des styles qui sont déjà programmés, mais on peut bien sûr les programmer. Encore une fois, je reviens sur mon bouton édition, je fais style édition ou style new style, et là, je crée mon style. Rien de nouveau, hein, par rapport au PA4X, ça, je peux faire aussi de la programmation.
Donc, on le disait tout à l'heure, une grosse nouveauté de cet instrument, c'est de pouvoir faire tourner deux styles en même temps. Ouais, ouais. Et surtout de les synchroniser ensemble, parce que c'est ça la philosophie. C'est ça. C'est qu'à un moment, on se dit j'ai envie d'avoir. On va revenir sur une bossa nova et je vais aller sur un dance pour avoir. Prends les exemples assez. Voilà, on va prendre le fast mix. Voilà, je prends l'exemple de ça. J'ai un style qui est ici, un deuxième que j'ai posé ici. Vous voyez, en plus les couleurs me permettent vraiment de visualiser si je suis d'un côté ou de l'autre. La seule chose, c'est que je me rends compte que j'ai ici un tempo à 122 et ici un tempo à 138. Là, il va y avoir des petites choses. J'ai un tempo ici qui va me permettre, en regardant sur l'écran, tout de suite, hop, c'est synchro. Et là où c'est agréable, c'est que c'est pas un truc à aller chercher dans un menu. Le bouton là. C'est un accès direct. Le bouton est juste devant. C'est super logique, immédiatement accessible. Voilà. En appuyant sur Shift et en appuyant sur le Play, je vais avoir les deux, d'abord on va bien le voir, qui vont en fin de compte partir en même temps. Sauf pour l'instant, mon fader est sur la bossa. Bien sûr. Et maintenant, je vais aller faire un tour. Sur ma techno remix que je peux changer, hein, je peux m'amuser à changer de variation. Ok, je reviens sur ma bossa, mais je peux me mettre au milieu et avoir les deux si je veux. Et ça, c'est magique. C'est bien. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que très simplement, c'est comme si j'avais deux arrangeurs. Voilà, ils sont synchronisés et puis que je peux en fin de compte manipuler comme je veux. C'est une fonction vraiment inédite. Ah oui, oui. Qui est très intéressante parce que. Il y a de plus en plus de morceaux qui sont fusion. Bien sûr. Quand on est dans une intro, on est plutôt dans un style, puis le refrain, c'est un autre. Ça permet d'aller chercher beaucoup plus, encore une fois, mais, de nuances. Bien sûr, mais on cherche des fois des sons, entre autres sur la bossa. J'aurais voulu peut-être avoir une grosse caisse qui appuie un peu plus. Je ne l'ai pas d'origine. Bah, je vais aller chercher, en fin de compte, sur un kit de batterie un petit peu plus lourd que je vais aller chercher, en fin de compte, sur les... Et ça peut être n'importe quel style. Vous choisissez ce que vous voulez. Un élément qui est toujours appréciable chez Korg au niveau des styles, c'est les introductions, les variations et les fils. Parce que tous les arrangeurs ne l'ont pas. Non, c'est vrai. Le fil, en fin de compte, donne un peu de vie sur mes arrangements, sur mes variations, entre autres. C'est que quand je suis sur une variation, on va mettre celle-ci, je vais pouvoir avoir des petites fleuritures. Hop, vous voyez ? C'est pas un break, parce que le break, c'est ça. Il m'arrête presque la machine. Que là, je vais pouvoir avoir des petites finitions. Voilà, qui me donne un petit peu de vie sur mes rythmes. Je reviens deux petites secondes sur les introductions, parce qu'on en parle assez souvent, mais autant revenir sur ça. Pourquoi trois intros ? Parce que la première, elle est, on va dire, elle est harmonisée. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple sur cette intro-là. Oui, il me change d'accord. Ce qui est normal, voilà, c'est une introduction. Sauf que c'est vrai qu'au bout de 6 mois, 1 an, bon, c'est toujours la même intro, donc ça peut être un peu facile. Que là, sur la deuxième, c'est à moi de la créer. Je vais pouvoir aller chercher. Et à la fin, hop, j'arrive sur la variation. Et la troisième intro, c'est 1, 2, 3, 4, qui me permet de commencer. 4, hop, et ça part. Et j'aurai la même chose pour mes fins aussi. Petite chose aussi intéressante sur mon break. Qui est ici. Alors, je reste sur la bossa. Si je fais mon break, on l'entend. Ok. Mais si j'appuie deux fois de suite, il va se mettre en boucle. Ce qui me permet de pouvoir jouer, de changer d'accord. Et quand je veux plus, je me mets sur ma variation. Donc ça me donne encore une fois de la vie sur mon ensemble. Oui, et puis on se l'approprie. Bien sûr. Ah bah là, oui, là, tout ça est fait. Et ça aide énormément, puisqu'au lieu de rester sur quelque chose de plat, eh ben, ça permet un peu de gondoler, sans parler des sons, bien sûr, de gondoler un petit peu la configuration, en fin de compte, de mon style.
Avec le stylo, une fonction indissociable chez Korg, c'est le STS. Oui, bien sûr. Ça veut dire que j'ai quatre sonorités qui vont bien se marier au rythme. Ce qui est maintenant intéressant, c'est comme je change d'un rythme à l'autre, je vais automatiquement avoir quatre autres sons pour, en fin de compte, mon deuxième rythme. Maintenant, l'avantage, c'est que je peux jouer avec mes quatre premiers sons sur ma bossa et aller sur mes quatre autres sons avec le machin. Ça veut dire que je ne vais pas dire qu'il y a huit sons, chose, sauf que je peux... Allez, on se l'arrange. Ça veut dire qu'on voilà, peut s'arranger. Ça veut dire que l'avantage, c'est que mon son qui est de flûte sur la flûte, sur la bossa, reste une flûte tant que je n'ai pas appuyé sur mes quatre boutons. Donc ça m'ouvre, en fin de compte, encore une autre direction sur les sons. C'est les petits plus, mais les petits plus qui font que bon, voilà, ça me donne plus de vie, en fin de compte, sur ma rythmique. Absolument. Une fonction qui est super à propos des styles, c'est la petite touche séquence ici. Ah, oui. Ça me permet, entre autres, c'est, quand on a choisi un style, souvent, on ne sait pas trop bien quoi jouer. Bon, c'est toujours un petit peu bon, délicat. Bon, on se dit, à part si on sait ce qu'on va jouer comme titre. Mais là, lui, en fin de compte, me donne en fin de compte, une correspondance. C'est-à-dire que j'ai mon rythme qui est posé, qui est ici. D'accord ? Mais je peux avoir ici des accords qui sont déjà posés, c'est qui ça. Me permet, on va les écouter. Voilà, qui me permet de les jouer. Hop. Et ça va changer. Ça, c'est une, bien sûr, c'est un exemple qui est donné. Mais je peux en avoir d'autres. Alors, il y en a d'autres. D'exemples. Il y a une grosse quantité en plus. Moi, je trouve ça super intéressant. Bah oui. Trié par famille, jazz, c'est latin. Par famille. On appuie. Et c'est là, super visuel. Voilà. Bon, et on sait tout de suite. Et là, et on a tout de suite l'accord. C'est super visuel. Et là, je vais pouvoir voilà, avoir une correspondance, en fait, une grille d'accord. Ouais, une grille de automatiquement. Ça, c'est quand je veux pas enregistrer. Mais j'ai un mode juste au-dessus qui va me permettre de m'enregistrer. C'est-à-dire que si je prends... On va revenir ici, si je prends le record, oui, qui est en fin de compte sur le bouton rouge, je vais enregistrer mes suites d'accords, et il va me prendre les accords. Exactement. Voilà, on revient, il va se remettre dessus, je vais pouvoir rejouer, et là c'est les propres accords, que je peux bien sûr mettre en mémoire, et ainsi de suite. Donc au départ, on me donne des exemples, que je peux donc jouer, ou sans ça, je fais mes propres exemples que je mets en mémoire. Et encore une fois, c'est super simple. Ah, mais c'est tout bête. Hein, j'insiste avec ça, mais il n'y a pas à aller dans un menu, dans un machin. Je veux dire, quand on est sur l'écran principal, on va sur corde, on appuie sur rec et en avant, quoi. On choisit déjà sa banque si on a envie. Même avant, on peut choisir ses accords avant de choisir son rythme. Parce que la collection est très importante. On les a en fin de compte par famille, ce que tu disais. Ça veut dire que si je suis branché jazz ou latin ou blues ou bar ou ce que je veux, je peux vraiment le poser comme je veux. C'est intéressant et c'est assez même marrant parce que quand on va dans des choses. Je l'ai vu l'autre jour. Il y a le Pachelbel, par exemple, qui tourne, qu'on retrouve immédiatement. Il y a des choses qui sont très 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 intéressantes et que ça colle toujours par rapport au style. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'il y a énormément de styles. Donc à un moment, on tourne toujours sur les mêmes accords. C'est souvent, on fait toujours notre grille d'accords qu'on connaît par cœur. Et c'est vrai que là, lui me permet vraiment de m'ouvrir. Hein. Je choisis un rythme et me dis, tiens, qu'est-ce qu'il me propose ? Et là. Voilà, je peux ouvrir et partir dans d'autres directions que je n'aurais pas eu l'idée de faire avant. Bien sûr, l'interface a été entièrement revue. Tout a été refait pour, on l'a dit, chercher la simplicité. Oui. C'est un instrument qui est très visuel. Mmh. Et quelque chose que je trouve assez appréciable, c'est finalement qu'il y a très peu de sous-menus. On est dans un menu sur lequel on a tout. Et après, il y a quelques sous-menus, mais dans l'ensemble, oui, c'est dépouillé. Mais, mais c'est très logique. Bien on comprend immédiatement le lien. Ils ont centralisé en fin de compte toutes les demandes. Et entre autres, on parlait des demandes pour l'enregistrement. Bah, toujours pareil, je reviens sur mon bouton édition. Et là, je veux m'enregistrer, par exemple, en MP3, audio, je suis dessus. Donc, je n'ai plus qu'à jouer. Alors que je choisis mes sonorités un petit peu avant. Par exemple, la flûte. Mon rythme ici, c'est très bien. Je fais record. Et c'est parti. Et j'enregistre. C'est fini, je l'arrête. Automatiquement, il me dit bon, tu veux le nommer, on va le nommer, c'est très bien comme ça. Voilà, je fais save et là il va rentrer dans mon disque. Boum, c'est tout, c'est fait. Qui veut dire que je peux après aller le rechercher dans mon lecteur ici et le mettre sur mon song et je vais alors il doit être sûrement quelque part par là. Voilà, mon tac CCCC, il est là et il est dedans. On va le réécouter. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours mon rythme, ce qui est sur le côté, que je peux avoir mon MP3 d'un côté et encore une fois avoir faire la synchro. Faire ma synchro.
De celui-là, c'est pour de l'audio. Après, et le midi. Et maintenant le midi. New Song, est-ce que je veux en fin de compte enregistrer? Je tombe sur mon séquenceur. 16 pistes, 8 pistes, plus 8 pistes, égale 16. Oh, ça, c'est bien, c'est bien. C'est on y arrive. Bien. On y arrive. Donc, c'était à moi de choisir, c'était à moi de choisir le son que je veux poser. Donc là, par exemple, j'ai un piano. Là, j'ai une basse, mais si je veux autre chose, je choisis autre chose. Ça reste très, 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 très simple. Maintenant, quand on parle de MIDI, on parle aussi de MIDI file. Bien sûr. Ces MIDI files, on peut aussi les incorporer dedans. C'est-à-dire que si je vais chercher un MIDI file, boum, il est là. J'ai mon MIDI file, je peux le jouer. Sauf que, petite chose en plus, c'est que mon Matrix, qui est là, peut en fin de compte couper les parties qui ne m'intéressent pas de mon MIDI file. Mes 16 pistes, tout est bien sûr soit à l'écran, je prends ce qui m'intéresse ou ce qui ne m'intéresse pas. Et ça, c'est donc très simple d'accès. Je rentre pas dans le séquenceur et oui, ça évite la lourdeur, comme ça. Hein. Voilà. Je vais retrouver, bien sûr, le score où je vais pouvoir choisir les pistes qui m'intéressent et choisir. Petit point intéressant, oui. L'instrument est équipé d'une prise HDMI. Ah oui. On n'a plus de RCA, VGA. On est en HDMI pour avoir la copie d'écran. Le score et bien sûr le lyric pour faire aussi, du karaoké. Pour faire le karaoké. Et ça, c'est intéressant d'enfin être passé sur cette norme qui aujourd'hui est universelle. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'as commencé à en parler. Ah. Le gros, un des gros morceaux, oui. Ici, l'EHPAD. L'EHPAD. Mais oui, parce que, alors, c'est pas l'EHPAD, c'est non, la fonction PAD. C'est ça, on va dire ça comme ça. Exactement. Hein. Voilà, on n'y est pas encore aujourd'hui. Alors, il y a, on a déjà l'EHPAD traditionnel, c'est-à-dire que je vais choisir, voilà, les pads que je peux, en fin de compte, affecter sur mes 16 pads. Bon, là, rien de nouveau. Là, j'en avais 4 déjà, je peux en avoir 16. Ce qui est maintenant intéressant, c'est que je peux prendre de mon sampleur qui est dedans, aller chercher des échantillons qui servent à devenir un pad et de pouvoir aller les chercher. Voilà, sur en fin de compte des voix que je peux poser comme je veux. Par exemple, oui, que je vais bien sûr greffer sur mon arrangement et de pouvoir en fin de compte. Voilà, donc j'envoie. Quand je veux, en fin de compte, comme si j'avais un pad, un lecteur de pad à côté. Ça, c'est le plus. L'avantage aussi, c'est que, bon, ce qu'on disait au tout début, c'est que pour mon MIDI file, c'est intéressant de l'avoir, mais si je suis sur un style, là, il va me sortir automatiquement les 8 pistes de mon accompagnement et je vais pouvoir facilement enlever la basse, l'accompagnement que je ne veux pas, qui m'évite encore une fois d'entrer dans chose de programmation. Là, j'ai choisi mon style. Oui, il est là, toujours le même. Et je veux dire, je veux pas de batterie, je veux pas de basse, je veux pas de percussion, je fais... Vraiment, c'est très, 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 très simple. La programmation, encore une fois, très simple. J'ai ici un petit bouton qui me permet d'ouvrir, et c'est à moi d'aller chercher ce qui m'intéresse ou pas, et de pouvoir poser dedans. Bien sûr, c'est enregistré, qui veut dire qu'après, je vais pouvoir, quand je vais chercher un rythme, aller directement chercher automatiquement les pads ou les sons ou ce que vous voulez. Ça veut dire que ce que j'avais tout à l'heure dans ma configuration qui était ici, vous voyez, j'avais ici des effets que j'ai enregistrés avant qui s'incorporent dedans. Je peux avoir une basse qui vient, je peux avoir même un kit de batterie qui va se synchroniser automatiquement à ma rythmique. C'est dedans. Donc c'est très, très, très simple. Intéressant, donc c'est qu'on peut effectivement associer des samples, de l'audio, etc., et des fonctions. Mmh. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même un nombre de fonctions assignables qui est assez impressionnant. Si je rentre en édition
et qu'on va sélectionner, bah, automatiquement, là, il va encore une fois ouvrir la section de pad, parce que là, et encore une fois, j'aurai des familles, si je veux des arpèges de piano, qui sont un peu écnites, ou ainsi de suite, j'aurai automatiquement des configurations. À chaque fois, avec plusieurs pages. Ça, c'est ce qu'on me donne, mais encore une fois, je peux les créer aussi. Absolument, moi, on a une liberté. On revient toujours à cette demande. Et dans les pads, encore une fois, on a 16 pads, oui. Mais on a. Voilà, ce que j'ai plusieurs ici, mémoires, c'est ce que je retrouve. Voilà. Plusieurs banques. Voilà, j'en ai trois, plus un mode mute qui me permet, entre autres, de couper les pistes qui ne m'intéressent pas. Donc ça permet quand même d'avoir une possibilité d'association pour un style, pour un morceau, etc., qui est assez énorme, quoi, parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, oui. Il y a une autre chose maintenant, on peut parler, on revient sur la page d'édition. Alors bien sûr, plutôt la page de garde, la première qui est ici, ce que je retrouve, c'est vraiment la simplicité de ces pages. C'est-à-dire que je vais retrouver toujours mes trois sonorités que je peux mettre sur ma main droite, et ma main gauche, le lower, plus mon rythme ici, ou mon deuxième rythme, hein, si je veux. Je peux avoir après les contrôles, tout ce que j'ai ici, je le retrouve en fin de compte directement à l'écran. C'est-à-dire que je peux contrôler mes styles, et ainsi de suite. Je peux aussi le scale. Le scale est aussi intéressant parce que je vais avoir 16 configurations que je peux encore une fois changer en mémoire, qui me permettent en fin de compte d'aller chercher. On passe au gamme oriental, on passe Voilà, tout le schéma qu'on connaît. Après, on a cette page, qui est une page pour moi aussi vraiment magique. Ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. Parce qu'on a l'harmonizer qu'on connaît depuis longtemps chez Korg, mais j'ai un auto-pitch. Alors, encore une fois, c'est facile. L'harmonisation, c'est 4 voix plus ma voix lead. Je vais avoir la possibilité de doubler ma voix si j'ai envie, filtrer ma voix, avoir une modulation, délai et reverb. Ça, c'est la première ligne. Mais la deuxième ligne me dit que je peux aussi, sur une autre entrée, brancher un micro ou une guitare ou autre chose. Mais entre autres, là, c'est la guitare. Là, j'ai le micro d'un côté et la guitare avec des effets pour la guitare. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue aujourd'hui, qui a besoin qu'un guitariste, on a souvent besoin d'un prémix, quelque chose. Là, je n'ai plus besoin de prémix. Je branche tout dans le clavier, je règle mes volumes de ma guitare, de mes chœurs, de ce que vous voulez, et je peux même en troisième lieu brancher même un clavier en mini jack stéréo, où je peux encore avoir un clavier à côté pour que ça soit lui qui gère. C'est une mixette intégrée. Alors on a la mixette incorporée. Et là, bon, c'est toujours intéressant. Bon, bien sûr, les accords, on l'a vu. Le Jobbox, c'est le système qui va me permettre, en fin de compte, ça s'appelle bien le Jobbox pour quelque chose, de mettre, en fin de compte, tous mes titres, toutes mes configurations. Et la page Matrix, voilà. Là, c'est la page où j'ai, 80%, je suis dedans. Hein, j'ai pas besoin d'aller titiller la bête. L'écran a pris un petit peu. Un peu d'espace. Il est comme moi, il prend un petit peu de largeur de temps en temps. Non. Et ça permet d'avoir plus de confort. Oui. C'est pas écrit petit. C'est un reproche qu'on avait eu sur d'autres claviers chez Korg. C'était petit. La qualité d'image n'est pas la même. Voilà. Et donc, on appuie. L'écran est super réactif. Ouais, donc, c'est très, très, très agréable. Ouais, c'est sûr. On a vraiment. On revient à deux petites choses sur les sons d'orgue qui sont. Si je vais les rechercher, ils sont là. Alors, il y a des photos qui sont, en fin de compte, avec des tirettes qui sont ici. Vous voyez, si j'appuie sur ça, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, problème, c'est que j'aimerais bien, c'est bien les tirettes parce que je les ai là, mais j'aimerais bien aussi les avoir en direct. Et je vais pouvoir, en fin de compte, les avoir grâce, en appuyant sur le bouton là. Et tout ce qui est, en fin de compte, en fonction, va se mettre automatiquement. Donc, je n'ai pas, encore une fois, à rentrer dans des multi pages ou sous-pages. Là, tout se passe, en fin de compte, directement. Je peux, encore une fois, assigner toutes mes percussions et bien sûr le Leslie, ainsi de suite, et le mettre en mémoire. Encore une fois, on a sur les banques d'orgue énormément d'exemples qui sont donnés. Hein, si je passe toutes les pages, j'en ai vraiment beaucoup et on continue. Donc on est vraiment, encore une fois, je reviens sur les sons, c'est pas qu'une sorte de qualité de son, c'est aussi de quantité. Ouais, c'est-à-dire qu'on a vraiment un panel très 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 large sonore, et ce qui donne en fin de compte plus de vie sur mes arrangements et entre autres sur le. Bien entendu, pour celui qui aujourd'hui a un PA4X, certains accessoires sont compatibles. Oui.
entre autres le PAS. Donc c'est l'ampli que je peux encore une fois greffer sans câble. Ça se met directement, c'est très simple. C'est encore une fois la folie un peu de Korg d'avoir des fois des choses un petit peu... Mais c'est très malin. Mais c'est très malin. Très bien pensé. C'est très très malin et ça sonne très 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 bien. Un petit regret pour ma part, parce qu'il faut bien qu'il y en ait. On n'a plus la compatibilité avec le pédalier dédié. Ah, le C5. Non, non, non. Alors, des choix ont été faits. Bon, voilà, cette prise qui était un peu dédiée depuis longtemps, qui s'appelait le C5, qui permettait d'avoir 5 switches. Après, aujourd'hui, l'USB permet en fin de compte d'avoir aujourd'hui. Ce que j'allais dire. Voilà, je pense qu'il y a une autre technologie qui va être derrière. Faut avancer. Et puis, l'instrument a tellement d'assignation, comme on l'a dit en façade, qu'il faut voir la pertinence de ça. Comme je, ouais. Plus 50 millions de versions, comme on a connu, version allemande de machin, c'est voilà. fini. C'est les trois, c'est 61, 76 et 88 notes, c'est cela. Il n'y aura pas de clavier PA5X oriental, par exemple. Mais, il y a un mais, hein, quand même, quelque part. Mais, bien sûr, il y aura aussi pour l'oriental, il faut qu'il y ait quelque chose, et ce qui est normal, c'est qu'il y a un slot qui se trouve derrière qui permettra de rajouter une carte orientale ou une carte... turc ou une carte du Pérou, par exemple, peut-être, ils en font peut-être là-bas, qui permettrait d'avoir des rythmes... Une carte basque. Péruvien ou basque, pourquoi pas. Ou ariégeois, je sais pas, pourquoi pas, hein, écoute. Un morceau de canard, non, ça rentrera pas, je crois pas, non. Donc voilà, donc c'est intéressant, c'est d'avoir le même clavier. Et là, la base est ici, et on pourra l'updater par des cartes. Alors cette carte-là me permettra bien sûr d'avoir des styles, bien sûr, mais aussi des sons. C'est-à-dire qu'on aura, en fin de compte, les deux montres. Ça veut dire qu'on va updater encore le clavier avec des échantillons qui seront dédiés et les styles qui seront aussi dédiés pour les styles. Donc, ça sera des options qui vont arriver dans les prochains mois. L'avantage, c'est qu'on pourra se créer sa propre banque de sons, si vous voulez. Si quelqu'un est très branché électro, machin et tout ça, ben, il pourra faire sa propre banque en gardant les sons d'origine, mais en ayant cette carte qui lui permet, en fin de compte, d'avoir encore un plus encore sur le PA5. Alors, puisque j'ai décidé d'être dans la critique, oui. Je vais finir une fonction absente qui, à l'époque, avait fait couler beaucoup d'encre sur le PA4X. Oui. C'était la conversion de fichiers MIDI en style. Oui. Bon, entre nous, ça fonctionnait de façon plus ou moins bien, selon la source. Mm-hmm. Là, c'est absent. Il fallait que le MIDI file soit vraiment officiel. C'est ça. Alors, il fallait pas que ce soit un MIDI file qui vienne un petit peu du fin fond du web. Du web. Et c'est vrai que, bon, c'est sûr. Maintenant, l'avantage de Korg, et tu connais ça depuis longtemps, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des OS. Donc, ce convertisseur de style, si aujourd'hui il n'y est pas, aujourd'hui, à sa sortie, je pense que dans le temps, bon, je ne veux pas m'avancer, mais je pense dans les prochains OS, on aura en fin de compte, voilà, du plus. Il ne faut pas oublier que là, on est sur une nouvelle machine. Ça veut dire que la machine, elle est là, elle est toute fraîche, elle ne demande que, en fin de compte, de s'épanouir. Oui, parce qu'elle a les ressources pour ça. Ah, toutes les ressources sont là. On le sait, ça sent, et voilà, on sait que c'est une machine qui n'est plus du tout. On n'est pas sur le PA5X qui est une refonte du 4X et vas-y que je te rajoute 2-3 sons en plus. Non, non, parce que je disais au début, on est reparti de zéro. C'est-à-dire, Korg est reparti de zéro avec une feuille blanche en disant, bon, on veut des arrangeurs, on veut ça. Ils ont voilà. Donc, on sait qu'il va évoluer dans le temps et c'est déjà qu'il est très, très, très bien comme ça. Mais il y aura sûrement des options et même des options qu'on ne connaît même pas. Bien sûr. Qui pourront être, en fait, une révolution peut-être sur un arrangeur. C'est déjà une très belle révolution d'avoir un PA5X aujourd'hui sous les doigts, mais les OS feront... Bon, rappelle-toi, comme on l'a vécu sur le PA1000, et sur le PA1000, il y a eu le Chaos Violator. Ouais. Voilà, le Chaos qui a été mis après mm-hmm. mais pas sur, sur les premières. De toute façon, il y a un truc qui est un signe, on n'en a pas parlé et on ne le voit pas ici à l'image, c'est ce petit port USB. Oui. C'est du USB 3. Oui, deux derrière et deux devant. Aujourd'hui, moi je connais aucun autre clavier arrangeur sur le marché qui dispose du USB 3. Ça veut dire qu'à l'intérieur, toutes les ressources sont prêtes pour supporter technologiquement des choses plus lourdes qui nécessitent de la ressource, etc. etc. Pour conclure, un clavier qui est très surprenant, qui est un vrai coup de cœur. Moi, c'est un instrument qui m'a surpris par ses fonctions, par l'intégration des pads, par des fonctions inédites, par le format 88 avec le toucher redoutable. Voilà, c'est un arrangeur. Non, non. C'est un synthé arrangeur. C'est un synthé arrangeur, oui, merci oui. de ta correction, oui. qui a amené à évoluer, on le voit. Tout a été conçu pour proposer un clavier qui va durer dans le temps et surtout pour répondre aux demandes du plus grand nombre. Qu'on ait envie de jouer à la maison, de composer, d'aller sur scène, de jouer avec d'autres musiciens, il est vraiment à la frontière. On a un super piano, c'est un piano de scène. Ouais. On a de l'édition, c'est un synthé, comme tu le disais. On a des styles, c'est un arrangeur, on a des pads, c'est une machine, ça va très 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 loin quoi.
c'est très loin. C'est le mix presque les 60 ans de Korg. Il ne faut pas oublier que bon, les années sont là, mais bon, Korg fait toujours du synthé, et on fera toujours. Ce n'est pas négliger le synthé, loin de là. C'est qu'ils se sont dit, on a besoin de prendre un petit peu ce qui se passe, un petit peu dans cette famille de synthétiseurs, et de pouvoir les incorporer, parce qu'on a besoin d'avancer. En fin de compte, les styles sont là, mais bon, c'est bien de faire des bossas, mais il faut, moi, une bossa avec une petite ambiance derrière, tout machin. Eh ben oui, mais c'est les sons de synthé qui vont me permettre ça. On vous invite donc à aller écouter les démos, si ce n'est pas déjà fait, les extraits, la présentation de Michel. N'oubliez pas, l'instrument est riche, on peut rajouter du contenu. Pour les clients Silvercard, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour télécharger du contenu additionnel. On va apporter beaucoup de choses sur cet instrument. Et puis, surtout, venez l'essayer.